Bonjour mes chers élèves, on va vous présenter aujourd'hui la quatrième séance du chapitre Isométrie du plan, niveau quatrième année, section maths, encadrée par M. Ahmed Chkir et présentée par Mme Azak Bayer. Le plan de la séance, tout d'abord on va voir les isométries ayant des points fixes, ensuite les isométries sans points fixes et enfin on va récapituler. Commençons par les isométries ayant des points fixes. Définition. Soit F une application du plan dans lui-même et M un point du plan. Si F de M égale à M, alors on dit que M est un point fixe de F ou F fixe le point M ou M est un point invariant par F. Donc, notre théorème, soit F une isométrie différente de l'identité, a un point non fixe de F et A' son image. Les points fixes de F, s'il existe, se trouvent sur la médiatrice du segment AA'. On va démontrer ce théorème. Soit F une isométrie différente de l'identité du plan. Puisqu'elle est différente de l'identité du point du plan, donc il existe au moins un point tel que f de a est différent de a. Donc soit a un point non fixe de f et a' son image. Soit m un point fixe de f, c'est-à-dire que f de m égale à m. Or f de a égale a', f est une isométrie, elle conserve la distance, donc la distance A'M égale à la distance AM. Par suite, M, c'est un point de la médiatrice du segment AA'. On passe au deuxième théorème. Une isométrie fixe trois points non alignés si et seulement si c'est l'identité du plan. Voilà la démonstration du théorème. Soit F, une isométrie A, B et C, trois points non alignés, d'images respectives, A', B' et C' par F. A, B et C ne sont pas alignés, donc le repère A, A, B, A, C est un repère du plan. Pour tout point M du plan, on a le vecteur AM égale à X, A, B plus Y, A, C. Alors, A', M' égale à X, A', B' plus Y, A', C'. Où A', B' et C' sont les images de ABC par F. Si A, B et C sont trois points fixes de F, alors A' égale à A, B' égale à B et C' égale à C. Par suite, le vecteur AM' égale à XAB plus YAC qui est égal à AM. Donc, les points M' et M sont confondus. Et par suite, F fixe tous les points du plan. Tous les points du plan sont fixes. Ceci nous entraîne à conclure que F égale à l'identité. Les conséquences de ces théorèmes, si deux isométries coïncident sur trois points non alignés, alors elles coïncident partout dans le plan. Une isométrie est déterminée par la donnée de trois points non alignés et leurs images. Donc, on va démontrer ces conséquences. Soit A, B et C, trois points non alignés, et F et G, deux isométries qui coïncident sur les points A, B et C. C'est-à-dire F de A égale à G de A, F de B égale à G de B, et F de C égale à G de C. On a G-1 rang F de A égale à G-1 rang G de A, puisque G de A égale à F de A. Donc, G-1 rang G de A égale à A, puisque G-1 rang G, c'est l'identité. G-1 rang F de B égale à G-1 rang G de B égale à B aussi. De même, G-1 rang F de C égale à G-1 rang G de C égale à C. Donc, l'isométrie G-1 rang F fixe
trois points non alignés, alors G moins 1 rend F, c'est l'identité d'après nos théorèmes. Par suite, F égale à G. On passe à ce théorème. Si une isométrie fixe deux points distincts, alors elle fixe tous les points de la droite passant par ces deux points. On passe à la démonstration de ce théorème. Soit F une isométrie qui fixe deux points distincts A et B. Pour tout point M de AB, d'image M' par F, M appartient à AB, c'est équivaut à les vecteurs AM et AB sont collinéaires. Donc c'est équivaut à il existe alpha un réel tel que le vecteur AM égale alpha fois le vecteur AB. Donc le vecteur A'M' égale alpha A'B'. Or, F fixe A et B, c'est-à-dire que A' c'est le point A et B' c'est le point B, alors le vecteur AM' égale alpha AB. Par suite, M' est confondu avec M, d'où F fixe tous les points de la droite AB. Donc ici, on a démontré notre théorème. On passe à notre théorème. Si une isométrie fixe deux points distincts A et B, et si elle est différente de l'identité, alors cette isométrie est la symétrie orthogonale d'axe AB. On passe à la démonstration du théorème. Soit F une isométrie différente de l'identité qui fixe deux points distincts A et B. Soit M un point du plan d'image M', donc on peut trouver donc soit M un point du plan d'image M' par F, on a deux cas qui se posent. Ou bien M appartient à AB, ou bien M n'appartient pas à AB. Si M appartient à AB, alors M, son image, est lui-même. Donc, M' est confondu avec M. Si M n'appartient pas à AB, alors M' est différent de M, car F est différent de l'identité. Et la seule isométrie qui fixe trois points non alignés est l'identité. Donc, F de A égale à A, F de M égale à M'. Ceci implique que la distance AM égale à la distance AM'. Donc, A appartient à la médiatrice de M'. De même, F de B égale à B, F de M égale à M'. Ça implique que la distance BM égale à la distance BM'. Donc, B appartient à la médiatrice du segment MM'. Conclusion, pour tout point M, F de M égale à M' équivaut à AB et la médiatrice du segment MM'. Alors, F est la symétrie orthogonale d'axe AB. On passe maintenant à un exercice pour appliquer ce qu'on vient de dire. ABC est un triangle isocèle en A et I le milieu de BC. On désigne par D l'image de C par la symétrie orthogonale d'axe AB et par J le milieu de BC, soit F l'isométrie qui fixe A et transforme C en B, c'est-à-dire F de C égale à B, et B en D, c'est-à-dire F de B égale à D. On pose G égale à SAB en F. La première question, déterminer G de A, G de B, G de C, ensuite G de I. La deuxième question, on va déduire la nature et les caractéristiques de l'isométrie G. Donc, on va commencer par faire un schéma pour mieux assimiler les données de l'exercice. ABC est un triangle isocèle en A, I le milieu de BC, J le milieu de BD et D et C sont symétriques par rapport à l'axe AB. Donc, on va commencer par G de A. G de A égale, donc je vais remplacer G par SAB en F, donc G de A égale SAB en F de A. F fixe A, donc F de A égale à A. On obtient donc SAB de A. A est un point de l'axe
de la symétrie SAB, donc SAB de A égale à A, d'où G de A égale à A. Dans ce cas, on dit que G fixe le point A. Bien, A est un point fixe de G. On passe à G de B. G de B, de même, égale à SAB rend F de B. F de B, d'après les données des exercices, de l'exercice CD, donc c'est égal à SAB de D. Et donc, c'est SAB de D égale à C. Donc, G de B égale à C. On passe maintenant à G de C. G de C égale à SAB rend F de C. F de C, c'est B, d'après les données de l'exercice. Donc, et SAB de B égale à B. Donc, G de C égale à B. Le dernier point, G de I. G de I, c'est SAB rend F de I. F de I, c'est J. Donc, SAB de J égale à I. Donc, G de I égale à I. On dit que I est un point fixe de G. Bien. Comme ça, on a répondu à la première question. On passe à la deuxième question. C'est, on va caractériser G. On a G de B égale à C. Donc, G est différent de l'identité. Et on a vu aussi que G de A égale à A et G de I égale à I. Donc, G fixe au moins deux points distincts. Les points ici, A et I. Alors, G est une symétrie orthogonale d'axe AI, d'après notre théorème. Conclusion, G égale à la symétrie d'axe AI. G égale à SAI. On passe à ce théorème. Si une isométrie fixe un point unique, I, alors F est une rotation de centre I et d'angle non nul. On va voir la démonstration de ce théorème. Soit F une isométrie qui fixe un unique point I et A un point distinct de I d'image A' par F. On va noter delta la médiatrice de A A' et S delta la symétrie orthogonale d'axe delta. I est un point fixe de F. Alors, I appartient à delta. S delta rend F de I égale à I. S delta rend F de A égale à A. Ceci implique que S delta rend F égale à l'identité. Ou bien, soit l'identité, soit la symétrie orthogonale d'axe IA, puisque l'image de I, c'est I, et l'image de A, c'est A. Donc, S delta rend F est soit l'identité, soit la symétrie orthogonale d'axe IA. Or, F ne fixe qu'un seul point, alors F est différent de S delta. Donc, S delta rend F est différent de l'identité. Par suite, S delta rend F égale à SIA, d'où F égale à S delta rend SIA. Conclusion, F est une rotation de centre I. C'est quoi le centre? C'est le point d'intersection de delta et IA. Donc, au début, on a dit que I appartient à delta, I appartient à IA, et S delta rend SIA, c'est la composée de deux symétries orthogonales d'axes sécants en I. C'est une rotation de centre I. Donc, F est la rotation de centre I, point d'intersection des droites delta et IA. Ainsi, on a démontré notre théorème. On passe à un exercice d'application. Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct. On considère l'application F du plan dans lui-même, qui à tout point M d'affixe Z associe le point M' d'affixe Z', tel que Z' égale à 1 plus I racine carrée de 3 sur 2 fois Z. Première question, on va montrer que F admet un seul point invariant que l'on déterminera. La deuxième question, on va déduire que F est une rotation que l'on caractérisera. Donc, on va commencer par la première question. On va montrer que F admet un seul point invariant.
Donc, je vais prendre un point M d'affixe Z. Je vais supposer que c'est un point invariant par F. C'est-à-dire quoi? C'est équivaut à F de M égale à M. Donc, c'est équivaut à Z égale à 1 plus I racine carrée de 3 sur 2 fois Z. Donc, c'est équivaut, je vais mettre le Z en facteur, Z facteur de 1 moins 1 plus I racine carrée de 3 sur 2 égale à 0. Donc, c'est équivaut à Z égale à 0 puisque 1 moins 1 plus I racine carrée de 3 sur 2 est différent de 0. La conclusion, O, le point d'affixe Z égale à 0, est le seul point fixe par F. Donc, F admet un seul point fixe, c'est le point O. D'après notre théorème, F, c'est une rotation. C'est une rotation de centre O. Deuxièmement, soit M d'affixe Z un point distinct de O, et M' d'affixe Z' son image par F, on a F de M égale à M', c'est équivaut à Z' égale à 1 plus I racine carrée de 3 sur 2 Z. Donc ici, je peux diviser par Z puisque Z est différent de 0. Z' sur Z égale à 1 plus I racine carrée de 3 sur 2. Donc, je vais remplacer 1 plus i racine carrée de 3 sur 2 par sa forme exponentielle, z prime sur z égale à exponentielle i pi sur 3. Donc, ceci est équivaut à module de z prime sur z égale à 1 et argument de z prime sur z est congru à pi sur 3 modulo de pi. Donc, c'est équivaut à module de z prime égale à module de z. Et argument de z' sur z est congru à pi sur 3 modulo de pi, c'est équivaut à la distance om' égale à la distance om, et l'angle orienté om, om' est congru à pi sur 3 modulo de pi. Donc c'est équivaut à m', c'est l'image de m par la rotation de centre O et d'angle pi sur 3. Comme F de O, c'est R de O, c'est l'image de O par la rotation de centre O et d'angle pi sur 3, c'est aussi égal à O. La conclusion, F, c'est la rotation de centre O et d'angle pi sur 3. Voilà, on a fini avec la première partie. La deuxième partie, c'est les isométries sans point fixe. Activité 1. Soit F une isométrie du plan dans le plan, tel que F égale à TU rend S delta, où S delta est la symétrie orthogonale d'axe delta, une droite du plan, et U un vecteur directeur de delta. On va montrer que F n'a pas de point fixe. On corrige l'activité, on va répondre à cette activité. Supposons que F possède un point M invariant par F. Donc, on va procéder par l'absurde. M n'appartient pas à delta, puisque U, vecteur non nul, on pose MA égale à S delta de M, signifie que delta est la médiatrice de M, M1, du segment M, M1. Rappelez-vous de ce résultat. On a F de M égale à M, puisque M est un point invariant par hypothèse. C'est équivaut à TU rend S delta de M égale à M. Donc, l'image de M par S delta, c'est M1. Donc, c'est équivaut à TU de M1 égale à M. C'est équivaut à le vecteur M, M1 égale à le vecteur U. Donc, les vecteurs, le vecteur M, M1 égale à U. Or, U est un vecteur directeur de delta. Donc, M, M1 est aussi directeur de delta. Ce qui contredit que delta est la médiatrice de M1. M1. Donc, cette hypothèse qu'elle admet un point invariant est fausse. Donc, la conclusion, F égale à TU rend S delta avec U est un vecteur directeur de delta, n'admet pas de point fixe. On va définir maintenant cette application du plan F. La composée F d'une translation de vecteur non nul U et d'une symétrie orthogonale d'axe delta
tel que U est directeur de delta, est appelée symétrie glissante de vecteur U et d'axe delta. Et d'après l'activité précédente, on a montré ce théorème. Une symétrie glissante ne fixe aucun point du plan. On passe à l'activité 2. Soit O un point du plan et F une isométrie. On va montrer qu'on peut écrire F d'une manière unique comme composé d'une translation et d'une isométrie G qui fixe O. Donc la réponse, soit F une isométrie et O un point du plan, on pose son image par F, c'est O prime, G fixe O, c'est-à-dire G de O égale à O. On a F de O égale à O prime, c'est équivaut à TU rang G de O égale à O prime. G de O c'est O, donc c'est équivaut à TU de O égale à O prime. Ainsi, c'est équivaut à le vecteur U égale à le vecteur O prime. On a U égale à O prime. Or, F égale à TU rang G, c'est équivaut à G égale à T moins U rang F. Ainsi, on a défini G, c'est T moins U rang F. Donc, G de O égale à T moins U rang F de O égale à T moins U de O prime égale à T moins O prime de O prime qui donne T O prime O de O qui est égal à O. Ainsi, G de O égale à O. Donc, G fixe le point O. Si on pose maintenant F égale à T U rang H, c'est équivaut à, on a dit que F c'est T U rang G, donc c'est équivaut à T U rang G égale à T U rang H. Donc c'est équivaut à G égale à H. Conclusion, cette décomposition est unique. D'où le théorème, toute isométrie se décompose de manière unique en la composée d'une translation et d'une isométrie qui fixe un point. Le théorème suivant, une isométrie qui n'a aucun point fixe est soit une translation de vecteur non nul, soit une symétrie glissante. Donc, on va démontrer ce théorème. Soit F une isométrie sans point fixe. Donc, par hypothèse, on a pris F une isométrie sans point fixe. O un point du plan et O prime son image par F. Alors, il existe une isométrie G qui fixe O tel que F égale à T O prime rang G, déjà vu dans le théorème précédent. On a G fixe le point O. Alors, G est soit une rotation, soit l'identité du plan, soit une symétrie orthogonale. Donc, on va commencer par le premier cas. Donc, si je prends le premier cas, c'est-à-dire on va supposer que G est une rotation. Donc, G est une rotation d'angle alpha non nul. Elle fixe O. Donc, O, c'est son centre. Soit N un point du plan tel que l'angle orienté O'ON est congru à pi moins alpha sur 2 modulo de pi. Et N prime, l'image de G par N. Donc, voilà le point N, tel que O prime ON est congru à pi moins alpha sur 2. Je rappelle que alpha, c'est l'angle de la rotation G. Et N prime, l'image de N par G. La droite D, image de la droite ON, par la translation du vecteur O', voilà, D, l'image de ON par la translation du vecteur O', coupe ON' en B'.
on désigne par B l'antécédent de B' par G. On a l'angle orienté OO' B'B est congru à l'angle orienté OO'ON plus ON B'B modulo 2π. Je remplace, c'est congru à π sur 2 moins alpha sur 2 plus OB B'B modulo 2π. Et c'est congru à π sur 2 moins alpha sur 2 plus BO BB' modulo 2π. Je remplace encore, c'est congru à π sur 2 moins alpha sur 2 moins π sur 2 moins alpha sur 2 modulo 2π. Ceci est congru à 0 modulo 2π. Donc, les droites BB' et OO' sont parallèles. Ainsi, l'image de BB' par la translation du vecteur OO' égale à BB', puisque le vecteur OO' et la droite BB' ont la même direction. Ainsi, F de B égale à TOO' rang G de B égale à TOO' de B'. Or, B' appartient à l'intersection D inter BB'. Alors, son image par la translation du vecteur OO' appartient à l'intersection des images de D et de BB' par la même translation TOO'. Donc, TOO' de B' appartient à ON inter BB', qui est égal à l'intersection ON inter BB', c'est le singleton B. Par suite, TOO' de B' égale à B, d'où F de B égale à B. Comme conclusion, F fixe le point B. Ceci contredit que F n'a pas de point fixe. Donc, ce cas ne peut pas se présenter. Le cas où G est une rotation. Donc, G ne peut pas être une rotation. On passe au deuxième cas. Si G est l'identité du plan. On suppose que G est l'identité du plan. Alors, F égale à TOO' rend l'identité du plan. Donc, F, c'est la translation du vecteur OO'. Donc, dans le cas où G est l'identité, F est la translation du vecteur OO'. Le dernier cas, si G est une symétrie orthogonale, on appellera delta son axe. Or, G fixe O, alors O appartient à delta. Trois cas qui se posent, trois sous-cas qui se posent. Donc, premièrement, OO' est un vecteur normal à delta. Deuxièmement, OO' est un vecteur directeur de delta. Ou bien, troisièmement, OO' n'est ni directeur ni normal de delta. On va commencer par le premier cas. Si OO' est un vecteur normal à delta, on va voir ce qui se passe. Alors, on peut décomposer la translation du vecteur OO' en la composée de deux symétries d'axes parallèles. S delta prime rend S delta, où delta prime, c'est l'image de delta par la translation du vecteur 1 demi OO'. Ainsi, F égale TOO' rend S delta. Je remplace TOO' par S delta prime rend S delta. J'obtiens S delta prime rend S delta, qui est égal à S delta prime, puisque S delta rend S delta, c'est l'identité. S delta prime, c'est une symétrie orthogonale. Donc, elle fixe tous les points de la droite delta prime. Mais par hypothèse, on a dit que F n'a pas de point fixe. Donc, ceci contredit que F est son point fixe. Donc, le vecteur OO' ne peut pas être un vecteur normal à delta. On passe au deuxième cas.
si le vecteur OO' est un vecteur directeur de delta. F égale à TO' rend S delta. C'est quoi ça? C'est la symétrie glissante de vecteur OO' et d'axe delta. Et on a dit dans une activité précédente qu'une symétrie glissante n'a pas de point fixe. On passe au troisième cas. Si le vecteur OO' n'est ni un vecteur normal ni un vecteur directeur de delta. On désigne par A et B les points du plan tels que le vecteur OO' égale à le vecteur OA plus OB, où OA est directeur de delta et OB est normal à delta. On a O appartient à delta et OB est normal à delta. Donc on va poser delta prime égale à T 1 demi OB de delta. Alors TOB égale à, c'est la composée, S delta prime rend S delta. Donc F égale à TOO' rend S delta, qui est égal à TOO' rend T. Donc je vais remplacer TOO' par TOA plus, pardon, TOA rend TOB, puisque OO' égale à OA plus OB, composé à S delta. Donc c'est égal à TOA, je remplace TOB par S delta prime rend S delta. Donc j'obtiens TOA rend S delta prime rend S delta rend S delta. S delta rend S delta, c'est l'identité. Donc on obtient TOA rend S delta prime avec OA et directeur de delta prime. Donc F, c'est la symétrie glissante de vecteur OA et d'axe delta prime. On va maintenant récapituler. Géométriquement, les isométries sont 5. Donc, on va les classer selon les points fixes. Donc, nature de l'isométrie est l'ensemble des points fixes. Donc, c'est l'identité du plan. Si elle fixe tous les points du plan, symétrie orthogonale d'axe delta, tous les points de delta, rotation de centre I et d'angle θ différent de 2 capi avec A appartient à Z, elle fixe un seul point, le point I, donc l'ensemble des points fixes par une rotation, c'est le sangloton I, la translation de vecteur non nul U qui ne fixe aucun point, enfin, la symétrie glissante d'axe delta et de vecteur U qui ne fixe aucun point. Merci pour votre attention et à bientôt.